Bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais pas vous présenter un seul livre, mais je vais vous en présenter quatre. Quatre. C'est une série de Ken Aruff qui mérite en fin de compte le détour. Il les a écrits entre 1999 et 2016. Et cet ensemble, c'est une chronique d'une ville d'Amérique, l'Amérique profonde du Colorado, Old Country, avec un petit peu d'Américains divers et variés. Vous avez les fermiers, vous avez le professeur du lycée, vous avez des lycéens, vous avez des personnes âgées, voilà. Le premier de la série, ça s'appelle Chant des Plaines, qui a été suivi de Colorado Blues. Ensuite, il y a eu les gens de Old Country. Et puis le tout dernier, le plus connu parce qu'il y a eu un film qui a été tiré, c'est Nos âmes la nuit. Et Nos âmes la nuit, ce film, il a eu deux grandes vedettes, Robert Redford et Jane Fonda. Et c'est une histoire d'amour entre deux personnes d'un âge bien avancé. Voilà. Vous pouvez les lire comme vous voulez. Ça, c'est puisque ce sont des chroniques bien, bien séparées. Moi, personnellement, je considère que c'est mieux de les lire dans l'ordre. C'est un petit peu la progression d'écriture d'un écrivain. Donc, vous allez partir dans cette petite ville disons, d'Amérique, avec de la poussière, avec des bruits d'éoliennes un peu grinçantes, avec de la poussière soulevée par des pick-up, avec des personnages très attachants, dont vous allez avoir un morceau de vie, et que ça soit donc ce professeur de lycée avec ses deux garçons, dont la femme est dépressive, mais qui va être l'ami de ces deux fermiers, célibataires, vieux garçons, qui sont dans cette ferme un peu isolée, mais qui ont un grand cœur, puisqu'ils vont, s'occuper d'une jeune fille enceinte. Vraiment, c'est vraiment des chroniques de ces gens. C'est très attachant. Et l'écriture est une écriture très simple qui arrive à bien montrer tous les travers de l'humanité, ou des humains plutôt, entre la jalousie, la mesquinerie, l'amour filial. Il y a toute cette diversité. Et surtout, on est dans une ville. Une petite ville avec sur le fond le qu'en dira-t-on ? Et ça, c'est un problème. Et bien voilà, bonne lecture à vous. Et bien, à bientôt pour un prochain numéro du Grand Méchant Book.